Fabriquer une imprimante 3D portable style sac à dos, et dans cette vidéo, je te montre toutes les étapes pour la réaliser. Douce et douce, 24 volts. Un sac à dos. Et si on combine tous les deux, ça nous donne quoi? Bah oui, une imprimante sac à dos en 24 volts. Aujourd'hui, je te montre comment on a réussi au pas à créer une imprimante 3D portable. Alors oui, ce projet n'est pas nouveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, mais il y a une personne que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui s'appelle Mitch. Mitch habite aux États-Unis et il est bien connu pour transformer les imprimantes 3D en sac à dos. Ça fait plus de 8 ans que Mitch fabrique ce type de machines et il les présente lors des Maker Faire ou d'événements autour de l'impression 3D. J'ai eu la chance de discuter avec lui pour ce projet et il m'a donné quelques conseils. Il est vraiment quelqu'un de très sympa. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les images, je me suis dit qu'il fallait le tenter. Et pourquoi faire ce type de projet? Et bien, en première, parce qu'on a la Nantes Maker Campus qui approche. Et cette année, j'aimerais bien me balader avec mon imprimante au dos. Et au deuxième, tout simplement parce que j'adore faire ce type de projet. Alors l'idée est très simple. Mon imprimante 3D fonctionne à 24 volts. Et j'ai trouvé cette batterie de perceuse de marque je sais pas quoi, qui est à 24 volts aussi. La logique veut nous dire que normalement, si je branche ça à l'imprimante, ça doit marcher. On va le tester ensemble. Pour ce projet, je vais utiliser la Prusamini. Pourquoi cette machine? Bah, tout simplement parce que je l'ai depuis des années, ça marche super bien et en plus elle est mini, donc ça va aider avec le poids. Nous avons la machine, mais comment la faire marcher en sac à dos? Tout simplement, j'ai regardé l'alimentation, c'est marqué 24 volts. Et je me suis dit, on va le faire simple et j'ai acheté une batterie de perceuse en 24 volts. Alors une petite chose avant de commencer, c'est que j'ai vraiment pris le risque de faire ces projets avec cette machine. C'est pas la meilleure forme de faire les choses et si tu veux faire le même, attention, tu peux endommager vraiment la machine. Et tu peux aussi te faire du mal car manipuler des alimentations n'est pas une très bonne idée si tu n'es pas très à l'aise avec l'électricité ou l'électronique. J'ai découvert la polarité des fils avec un multimètre et j'ai connecté directement à la batterie. Première bonne nouvelle, ça s'allume correctement. Passons à tester les mouvements. Et yes, la machine a l'air de fonctionner correctement. On peut même faire les homing et tout ça avec une seule batterie. Maintenant, je vais faire des tests en simulant qu'il y a deux filaments dans la machine. Cela va me permettre de la faire tourner à vide et de faire une estimation de temps et de fonctionnement avec des températures assez modestes. Après quelques heures de tests, j'ai découvert que nous avons une autonomie d'environ 1 heure. C'est pour cela que je vais ajouter une autre batterie en parallèle et l'idée c'est d'avoir 4 batteries. Pourquoi 4? Parce que je vais avoir 2 en train de se faire charger et je vais faire des changements rapides pour tenir la batterie au long de 2-4 heures. Maintenant qu'on a validé le concept et pour que les choses aillent plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va passer au dessin 3D. Pour ce projet, on va le faire un petit peu plus différent. On va pas l'imprimer en 3D. On va faire toutes les questions avec un matériel assez léger et on va découper en numérique. Et bien évidemment, pour dessiner ça, je vais utiliser mon logiciel de prédilection et le sponsor de cette vidéo, SolidWorks for Makers. Vous le savez, je suis ingénieur de formation et pendant mes études et ma vie professionnelle, j'utilisais pas mal SolidWorks. Mais quand j'arrivais à la maison, j'avais pas le logiciel pour continuer à faire ces projets de loisirs et de bricolage en général. C'est pour cela que quand j'ai entendu parler de la licence SolidWorks for Makers, je me suis dit, enfin, une solution pour nous tous, les bricoleurs. Et bah oui, des bricoleurs, parce que tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour utiliser ces logiciels. SolidWorks, c'est un des logiciels de dessin 3D les plus utilisés au monde. Et aujourd'hui, on peut avoir cette licence pour 48 euros par an. Et oui, t'as bien entendu, 48 euros par an. Même, je vais te donner une bonne nouvelle. Ils m'ont donné 20% de réduction si tu cliques sur le lien dans la description. J'utilise cette licence pour faire tous mes projets d'impression 3D, des cosplays et des bricolages en général. Par exemple, le projet le plus ambitieux que j'ai pu créer grâce à cette licence, c'est le canon à protons. Et aussi, on s'est bien amusé avec le planeur de bouffon vert.
Et aujourd'hui, je vais utiliser cette licence pour faire toute la découpe numérique. Je vais exporter en DXF et je vais vous montrer tout ça après. Merci encore à SolidWorks for Makers pour le sponsor de cette vidéo. Et maintenant, passons au dessin 3D. Pour le dessin 3D, je commence par importer le step de la machine et dessiner la base. Je vais ensuite ajouter un scanner de moi-même en 3D pour me donner une idée de la taille totale du boîtier. Je vais réaliser des rainures autour de l'hexagone pour plus tard venir emboîter des plexis. Et pour les structures, je vais utiliser des tubes carrés en alu achetés chez les Rois Merlin de 24 par 24 mm. Côté plexi, j'ai choisi une épaisseur de 2,5 pour pouvoir faire une rainure à 3 mm. Je vais ajouter quelques petits détails esthétiques pour que ça ne soit pas une grande boîte sans vie. Et voici le résultat final. Maintenant, je suis prêt pour aller faire la découpe. Les amis des ExoKit à Saint-Brieuc m'ont aidé à faire la découpe des grandes pièces, grâce à leur machine multi-outils grande surface. Une machine numérique n'est pas nécessaire pour faire ces projets. Tu peux bien faire la même chose avec une scie sauteuse et un Dremel. Et une autre option est d'aller voir ton Fab Lab local, ils sont sûrement des machines à disposition. Ok, on a déjà ici les pièces déjà découpées, ça s'est bien passé, c'est un matériel qui se travaille bien et solide mais en même temps très léger. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'idée de ce dessin. Nous avons l'hexagone et nous avons les parois. Alors les parois vont aller plus ou moins comme ça et là j'ai un profilé déjà à la taille qui va venir renforcer l'intérieur. Pour que ça soit joli et selon les dessins qu'on a fait, on va laisser trois côtés en plexi transparent pour laisser voir l'intérieur. J'espère bien que ça ne serait pas trop lourd et on verra si on arrive bien à tout caler. On passe à la peinture et montage de la boîte. Je vais tout simplement utiliser une bombe noire mate pour peindre les pièces. Et comme prévu, j'installe quelques décorations. Je me suis fait vraiment plaisir et j'ai découpé en vinyle quelques autocollants Carlos 3D pour donner plus de style. J'ai fait un côté Carlos 3D et l'autre Prusa pour faire un petit clin d'œil. Pour fixer les tubes carrés, j'ai utilisé cette pièce expansive qui va venir faire pression à l'intérieur du tube carré. On pressionne une pièce à la fois et on commence à fixer les tout. Dernier petit détail et la boîte est prête. Avant d'installer l'imprimante, j'ai réalisé encore des tests pour bien m'assurer que la machine marche bien. J'ai découvert qu'avec deux batteries en parallèle, j'avais entre 1h50 et 2h10 d'autonomie. Les paramètres les plus importants sont la température de la buse et du plateau. Évidemment, c'est ce qui consomme le plus. Là on est pas mal, mais les connexions je suis pas très sûr. Donc je vais faire quelque chose de plus robuste. J'ai acheté cette pièce qui m'a donné l'impression des petites lames. J'ai dessiné et imprimé cette autre pièce qui va venir s'éclipser avec la batterie. Alors là ça fonctionne. Je suis très content du rendu, mais je vais pas vous mentir, j'ai fait quelques protos avant que ça fonctionne correctement. Pour finir, je vais souder des fils pour tout préparer avant le montage final.
Et c'est parti, on va installer les adaptateurs et faire des passages pour les câbles d'alimentation et une extension USB. Comme ça, je peux charger tous les fichiers d'impression sans problème. Pour les LEC, j'utilise des WAGO pour relier les batteries et un régulateur pour m'assurer d'avoir toujours une sortie de 24 volts. Allez, c'est parti pour les premiers tests. Salut les teams, ça y est, on est à Nantes, à la Nantes Maker Campus. On a fini notre sac à dos, notre imprimante en sac à dos, et on va faire découvrir à tous les visiteurs et on va voir les réactions. Allez, c'est parti. Après 3 jours de porter ces sacs à dos, je me rends compte qu'il y a plein de choses à améliorer. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces projets avec tous les amis de la Nantes Maker Campus. On arrive à la fin de cette vidéo et voici le projet déjà fini. Alors j'ai pris vraiment plaisir à le montrer à tous les visiteurs et copains de la Nantes Maker Campus, mais il y a quand même quelques ajustements à faire, surtout au niveau des poids. On va pas se le cacher, avoir une machine au dos, c'est assez compliqué au bout de quelques minutes. Mais bon, bref, franchement, c'est un projet à faire. Je vous conseille de me contacter si vous avez des questions concernant tout l'électronique et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao.